Alec. Je le savais. Donc, tu veux suivre la voie facile, c'est ça? Je vais rendre ça dur pour toi. Menteuse! Alec! Alec, attends! C'est mon rêve! J'écris depuis que je suis enfant! Comment peux-tu ne pas comprendre ça? Juste un concours! Tais-toi! Tu m'as trahi, tu m'as menti à moi! Je ne vais pas pardonner de telles choses. Je ne vais pas pardonner des choses pareilles, je vais bloquer ta carte. Et je vais changer les serrures. Alec! Alec! Alec, attends! Et bon voyage! Alec! Annie, j'ai faim! Juste quelques minutes, s'il te plaît, et je vais te préparer quelque chose. Annie, tu le sais, je n'aime pas me répéter deux fois. Est-ce que tu sais que tu as des responsabilités en étant ma femme? De prendre soin de moi, de cette maison? Hmm? Ok. Qu'est-ce que tu fais? C'est tout mon travail, tous mes papiers! Des pouvoirs magiques, c'est ça? Tu te prends pour J.K. Rowling ou quoi? Hé, Alec, s'il te plaît, ma candidature a été acceptée. Il y a un concours littéraire demain. Je dois essayer au moins. Ok, écoute. Soutiens-moi pour une fois. D'accord, un concours? Anne, tu n'as pas encore compris la vie. Les rêves sont une perte de temps, tu es adulte, tu dois trouver ta place dans la vie. Et tant que tu vivras dans cette maison, sauce-toi avec moi. Tu dois comprendre une chose, ta place est dans la cuisine. Alors jette ces ordures et mets la table. Je ne suis pas d'humeur pour ces trucs. Marmotte. Bonjour. Qu'est-ce que Bonjour. Tu fais? J'essaie de te réveiller, la belle au bois dormant. Alec, ça suffit. Quoi, tu es en colère contre moi? Tu sais bien que je suis insupportable quand j'ai faim. Je suis vraiment désolé. Écoute, je suis vraiment désolé de t'avoir parlé de cette façon hier. D'accord. Je vais accepter tes excuses, Alec Foster. Mais ensuite, tu m'emmèneras au concours. C'est un court trajet en voiture et c'est seulement pour quelques heures. Et j'adorerais que tu me soutiennes. Quel concours? Je pensais avoir été clair avec toi hier. Tu devrais te débarrasser de cette idée. Plus de concours. Tu as déjà oublié. Alec, je ne comprends Tais-toi. Pas. Tais-toi! Tu penses que je veux que ma femme écrive des absurdités à propos d'un amour magique? Tu crois que tu as une histoire à raconter? Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Mais tu sais que j'ai raison. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, et tu sais que j'ai raison. D'accord? Pas de concours. Super. Je voudrais juste... Tu pourrais, s'il te plaît, me laisser ton ordinateur? Je ne serai pas distraite, je te le promets. C'est juste que... j'aime... cuisiner en regardant une émission. Cuisiner, hein? Ouais. En regardant une émission. Ok. Je suis qui? Un tyran ou quoi? Juste pour cuisiner. Oui, absolument rien d'autre. Super. Désolé pour ça. C'est pas grave.
Monsieur. Oui, vous. Vous pouvez m'aider? Je dois changer mon pneu. Non. Si ça ne tenait qu'à moi, vous ne vous approcheriez jamais d'une voiture. Ces foutus gouvernements libéraux sont en train de tout gâcher. D'abord, ils vous donnent le droit de conduire, puis ils vous donnent le droit de vote. Avant même qu'on s'en rende compte, les femmes vont commencer la Troisième Guerre mondiale. J'en ai assez de vous. Ça va pas marcher, ma petite. Tu n'es pas assez forte pour ça. Tu as la mauvaise pompe. Le bon Dieu n'avait pas l'intention que tu sois ici, à changer les pneus. Ta place est à la maison, à faire des bébés. Tu devrais pas être ici à changer les pneus. C'est un travail d'homme. Vous savez quoi, monsieur? Les femmes ne sont pas le sexe faible. Le sexe faible, c'est celui qui humilie les autres comme vous. Ok, jeune fille. Comme tu veux. Et un dernier conseil pour vous. Soyez prudent en traversant la route. Oh, bonjour. Où est-ce que vous allez? Le concours a déjà commencé. Mais... je suis Anne Foster. Laissez-moi lire. Non? Je veux lire. Mais... mademoiselle, attendez. Bonjour. Je suis Anne Foster. Je suis désolée d'être en retard. Laissez-moi lire mon travail. Donnez-moi juste quelques secondes, s'il vous plaît. Êtes-vous prête à lire? Je vais plutôt le raconter. Quoi? Par cœur? Si vous n'avez pas le texte, ne nous faites pas perdre notre temps. Les pouvoirs magiques. Par Anne Foster. Les espoirs, les paupières tremblantes. Elle s'est réveillée et, avec effort, elle s'est assise sur le lit. Elle avait mal au corps. Une douleur sourde. Elle s'est réveillée dans la même pièce, mais il semblait que tout avait changé en une nuit. Dick respirait en silence derrière elle, ressemblant à un ange. C'est comme si la dispute d'hier n'avait pas eu lieu. Mais elle se souvenait de tout. Alors elle s'est levée, a pris ses papiers sur le bureau et est partie. Au loin, le ferry vrombissait. Et c'était comme si elle ne marchait plus, mais qu'elle volait. Soudain... son corps tout entier n'avait plus mal. La douleur avait disparu quelque part. Elle-même ne pouvait pas comprendre comment elle avait finalement eu la force de vivre après toutes ces années d'humiliation et de déception. Elle avait enfin trouvé son pouvoir magique. T'as vu le but? Je veux dire, fantastique. Oh, hey. Regarde qui revient. Anne, comment tu as fait pour rentrer? J'ai changé les serrures. La porte était ouverte. Et maintenant, je vais rater ma partie préférée du programme. Mais c'est pas grave. En fait, c'est bon parce que le grand show est encore à venir. Alors, comment tu vas demander pardon? Cette fois, j'ai fait tes valises. Chérie, je suis désolée. Je ne voulais pas entrer. Ça ne prendra que quelques minutes. Qu'est-ce que tu entends par quelques minutes? Je veux dire que je suis venue juste pour prendre mes papiers. D'habitude, tu fais mes valises, après une dispute, mais tu oublies de mettre mes papiers dedans. C'est encore un de tes jeux stupides? Ou quoi? Non, non, non. En fait, je mets un terme à notre jeu de famille heureuse. Et tu sais quoi? Merci d'avoir fait mes valises et de m'avoir donné l'inspiration pour mon histoire. J'ai tellement lutté que je me suis souvenue de chaque mot par cœur. Et tu sais quoi, Alec? J'ai gagné la première place. Et maintenant,
J'ai assez d'argent pour commencer une nouvelle vie. Et pour avoir un bon avocat. Tout ça ne veut rien dire. Tu m'appartiens. Tu me reviendras toujours. C'est rien du tout. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est différent maintenant, hein? Oh, j'ai le pouvoir magique. Le pouvoir magique. Tu vas le regretter. Elle va le regretter. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de commencer à faire tes valises. Tu es vraiment doué pour ça. Parce que je doute vraiment qu'après le procès, cet appartement te revienne. Mes papiers.